Bien. Alors cette fois-ci, normalement, je ne devrais pas être interrompu comme les deux fois d'avant. Partie 51. On est parti. Dès que ça a fini de charger. C'est ça, poussière radioactive. On est sur une planète avec des bestioles bizarres. On se remet dans le bain. Dans un bout de temps, j'ai pas pu jouer. Tac. Ok. Fuck is that? Bestiote chelou qui me donne quand même 100 000 pièces, donc ça c'est cool. Hop, alors. Non, t'as bien. Faut du fer. Hop. Puisque t'es là. Ok. Eh bien, ils ont du fer. Pas mal comme ça. Allez hop. Et on va explorer un peu cette planète. Survie en condition extrême. Oui, je suis un éternel. Allez, il faut la paix. Alors, j'ai combien de fer du coup? Oh, c'est cool, j'ai de quoi faire. On va mettre ça dans le vaisseau. Ça, ça peut servir, je vais le garder. Émeril, cuivre. Bon, on va le garder comme ça. Plutonium. Deux combinaisons. Hop là. Là-dessus, on va explorer ce qui se passe autour. J'ai dit, est-ce que j'en ai encore? Oui. Cargo écrasé, il est là, c'est un peu loin. Agressive la planète, hein, en termes de radiation, c'est un peu de Tchernobyl.
scan. Déjà scanné, déjà scanné. Ok. Donne-moi des nanites, toi. I need more nanites. Est-ce qu'il y a des bonnes stats? Pas trop. C'est, non, c'est compliqué. Salut toi, qu'est-ce que tu me dis? Important un week-end élevé, important un blabla. Ancien, étrange, ce genre d'objet dans l'espace technologique. Lame sanglante et bréchette, c'est ma bouclier visée. Oh la lame, attends, c'est un week-end ou c'est pas un week-end? Non mais t'es sérieux avec ton truc là? File-moi une vraie arme. Vendre. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Oui. Tac. Ok. Est-ce que j'ai des trucs à acheter? Du fer. On va acheter ces trains de miner. Après. Chose. Tab Yama, allez hop, je prends aussi. Carbone, peut-être pas. Le zinc, oui. Toujours intéressant d'en avoir. Surtout sur la planète comme ça. Parce que la planète, elle est un peu agressive. Et voilà. Moche dehors, hein. Je te cache pas que c'est pas la joie. Je crois que je suis bon pour rester ici. Quand on est coincé à l'intérieur. Alors lens flare, faut pas en abuser dans les jeux vidéo, hein. Ça c'est un conseil que je donne à tous les gens qui font des jeux. On va dire que là c'est déjà bien. Là c'est trop. Genre allô, il se passe quoi, je ne vois rien. Et là on n'en parle plus. Laissez le lens flare dans des proportions tenables. Tac.
C'est vrai que mon coup de radiation est quand même pas dégueu en termes de qualité. Par ici, ouais. Zincron, mais bon. Hors de la planète, tu fuis des adresses, elles sont même pas sur la même planète. Putain, mais quel manque de savoir-vivre, quoi. Pas dans le quartier, je dis rien, mais pas la même planète. C'est sérieux, un moment. Multi-outil, je sais ça. Recharger. Hop là. Faire. Raté. Sauvegarder, hop. Mais c'est ça que je veux, pas la lampe. Con de truc. Plus ça finit pas cette planète, hein. Blabla. Troqué. C'est totalement rentable. Ah, voilà. Vendre les articles. Ça, je m'en fous, par exemple. Tac. Ça aussi. Le cuivre. Pas mal là. Voir ce cargo écrasé, qu'est-ce qu'il me dit. C'est là, ouais. Quarantaine, c'est loin. Eh, on passe par là. Haute atmosphère. Histoire de pas y passer la journée. Hop là, c'est pas la youpi. Qu'est-ce qu'il demande? Fer et zinc. Putain, ça fait beaucoup. C'est en fer, quoi. Ça reste rentable. Allez hop, on prend. Mission MS Esprit de ce mot. C'est vraiment stylé. C'est que des geeks à bord, machin, déposer une plainte. Corviken, morceau de chair, sentinelle. Faisait pas d'espoir. C'est assez exotique comme texte.
charisme. D'accord. Je sais que ça me parlait pas cette forme de bestiole bizarre. Hop. Tempête qui va se lever, ça va me faire chier parce que je pourrais pas faire le truc en paix. Bon, je pense en avoir assez. Je sais pas comment j'ai pris, mais un bon petit stock déjà.
de récupération rendement mêlé. Terme de fer 50. Putain, ouais, j'ai claqué tout mon fer que je me suis fait chier récupérer. Hein. Ah, chier, sans te parler. Moins, j'ai des lettres. Là, ça sert la planète, ça m'intéresse pas pour l'instant. À voir. N'écoute pas sur les cargos écrasés, je l'ai fait. Reste très très calme. Clac, ici. Non, j'ai fait tout ce qui m'intéressait a priori. Ah putain! Pas dire de la planète? Jaune de, vu d'en dessous et les bleus vu d'ici. What the fuck? C'est pas grave. Multi-outil, on va recharger ça. On va recharger du carbone, on va refaire des recharges de carbone. Ah bah voilà, IK maintenant. J'aime beaucoup cette petite mélodie au piano. Minimaliste. Tellement minimaliste que même moi je pourrais la jouer, je pense, mais. Voilà, elle fait le taf. Elle fait son ambiance. Pour une ambiance glacée, ça va très bien ces petites notes aiguës. Carbone, ça peut servir. Hop là. Où en est-tu? Attends. Bon, oh, mais il fait froid sur cette planète. J'ai un bouclier pourri, j'ai l'impression. Le bouclier anti-froid, il a l'air tout pourri. Du quoi t'as comme truc? Tau. C'est un Sigma, non? Ouais. Sigma, Sigma, Sigma. Et bon, vieux. Thank you.
D'avoir une vraie nuit sur une planète. Ou est-ce que c'est une lune peut-être? On s'en fout. Merci, sans regarder. Ah là là, les bonnes vieilles sentinelles de garde des installations de production. Elles font plaisir celles-là. Tac tac tac, ça c'est bon. Bourré, je roule comme ça tout le temps. Alors, capsule. Ouais, je prends. D'autres types de cailloux, trop bien. Des sapins millénaires, ouais. Je suis content de le savoir. Ah. Très belle aurore se lève. En termes de couleurs. C'est pas mal, petit screenshot. C'était fait la fois qu'ils leur travaillent parce que c'est mais on va dire. C'est pas moche mais c'est pas terrible. Il y a des mods qui refont ça très bien.
premier temps que le seul mode que j'ai testé de ce genre là il crée des bugs de collision, ce qui n'était pas tip top. Alors combien ça? 400 000. Techno. Ton techno c'est 12 cases donc honnêtement vu le prix 200 000. Hésitation. On va les finir comme ça sera fait. Hop. Extracteur d'atmosphère. Interception à plat. Capsule de sauvetage. 14 minutes à pied. Jouable. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Base habitable, monolithe. Hop là. Ici, un peu pareil là. On fait un peu le plein de ressources, ça fait toujours plaisir. Sont flippantes. Protection thermique, stabilisation. Il est mignon, mais c'est du zinc qu'il me faut. On fait le plein, ça servira toujours. Vu que ça sert quand même à pas mal de choses cette histoire. Un peu de plutonium. Des sentinelles hein, si j'ai besoin de zinc. Hop là. Je les vois. Les arbres ils poussent n'importe où sur cette planète hein, t'as un caillou, ouais t'inquiète je pousse. Je les porte à la maison, j'essaie d'en prendre soin et tout, je les arrose, je les mets au soleil et tout, je fais gaffe.
me crève. Tristesse. Allez hop. Se motive. J'ai tout vu par ici. Ça va sur un début de tempête. On n'a pas rangé mes affaires en termes de survivabilité. Toi le cul. Destination, chien respecté, guerrier respecté, arme. Enterrer le soldat multi-outil. Non, leur appréciation. Ben voilà. Partir. Hop là. Hop, recharger, capsule, là. Ah, ouf, c'est bon. Roulez bourré. Putain, je sais pas piloter, c'est un scandale. Pourtant, d'habitude, je suis bon dans les jeux pour piloter les vaisseaux, mais là, je sais pas, mais non. Hop. Et ouais, il suffit d'être un tout petit peu dans une cabine et taf, on a plus froid. En vrai, c'est pas totalement faux. Technologie, 600 000, vas-y, il s'en met une somme. Vas-y, dis un chiffre, dis un chiffre. 350, ça pique. Mais bon. Qu'on est dessus, oh mon dieu. Que le temps passe vite. Vu que je suis plein, j'ai un petit peu d'explos, mais sinon je vais passer à la suite. Clac. Ça, ça, hop là. Good. Qu'est-ce donc? Ah.
vérifiera qu'il n'y a eu aucun bug de collision sur cet atterrissage. Sans stress, sans énième ni violence. Celui-ci, on réfléchit beaucoup, on prend un chiffre, on regarde où c'est qui se déplace et fait la déduction. Ah, je comprends qu'il y avait des plantes de givre pas très loin. Des sous et du carbone, la charogne, pourriture communiste. Hop. Où étaient ces plantes de givre? Pardon. Exprès. Pas moi, je peux tout casser, non. Du titane, je prends. Ça m'a échappé, c'est pas moi. Avec exprès du coup. Alors, qu'est-ce que ça fout là ça? Peu importe. Exocombi, ça. Fait du verre, ça. On va dans le vaisseau. Ça, ici. Et vaisseau. Hop là. Ça me paraît bien. Bon, tu sais quoi? On va chercher un dernier point d'intérêt, on verra bien ce que ça me donne. En fonction de ça, soit je me casse, soit je reste un tout petit peu sur cette planète.
coucher de soleil est ma foi fort agréable visuellement. Il y a un crépuscule sous la toundra. Intéressant. C'est bleu, ça brille, mais ce n'est pas intéressant pour autant. Qu'est-ce donc que ça? Trop pas. T'as rien de mieux à proposer, sérieusement? Genre c'est les essieux, c'est bon, ça fait pas partie du vaisseau, ça passe. Allez, on prend ça et on s'en va. En plus je peux pas entendre le truc quoi. Et hop, cassos. 9. Clac. Direction la station, on va se vider les poches. Combotule. Putain, ardente la guêpe. Alors j'avais des missions. Blablabla. Finaliser des missions. Oui.
ça sera... Hop là, on ira à la base une autre fois. Blablabla, un truc, inventaire du vaisseau. Vent. Hop là, il retourne à peu près à l'horizon, c'est ça. Bon, là, on est loin. Et bah écoute, tant pis. Ouais. Bon, je vais passer deux planètes à voir aussi, je vais changer de système. Mais en attendant, fin de cette partie là, partie 51, elle est pastis. Oh non, une blague pourrie pour finir, c'est nul. Allez, on coupe là-dessus.